Alors le confort, c'est une notion qui est à la fois très simple et très complexe. C'est une notion qui est multifactorielle, multisensorielle. Le programme Citroën Advance Comfort, il a justement pour objectif de travailler sur tous ces aspects, en commençant par le confort de roulage. Dans toutes les suspensions du monde, on a une butée, dont l'objectif est de limiter les courses, parce qu'on ne peut pas travailler avec une course infinie. Progressive Hydraulic Cushion, c'est une suspension à butée hydraulique progressive. Le principe de cette nouvelle technologie de suspension, c'est développer des butées hydrauliques qui, quand on vient en appui contre la butée, on va en fait laminer de l'huile, dissiper l'énergie sous forme de chaleur et freiner la caisse de manière progressive sans restituer derrière. Ça a deux avantages. Un avantage sur les gros obstacles, quand on passe sur un dos d'âne, ça va permettre en fait de lisser les efforts qui rentrent dans la caisse, donc d'améliorer le confort. Et puis le deuxième avantage, c'est que sur des petites sollicitations, on va être capable de gommer les petites aspérités de la route. On va avoir une sensation de tapis volant, l'impression de survoler un peu la route. Cette technologie de suspension, elle présente l'immense avantage de ne pas consommer d'énergie. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a quasiment pas de surpoids. Et puis enfin, le dernier avantage, c'est que c'est une technologie qui, pour un effet client vraiment très important, on a un surcoût au véhicule qui est vraiment très faible. Alors on a déposé plus d'une vingtaine de brevets autour de cette innovation, qui est une exclusivité Citroën, qui va être appliquée donc sur le C5 Aircross, qui est présenté au Salon de Shanghai.